Bonjour les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Alors j'ai pas été très très actif ces derniers jours sur YouTube, mais j'ai une bonne raison. Donc là, ça fait plus de 10 jours, je suis parti 10 jours au cœur du Maroc avec trois voyageurs. Donc, comme je vous l'avais annoncé si vous avez suivi la précédente vidéo, je suis parti pour un voyage en conscience. Ça faisait plus de 4 mois que j'étais pas parti sur une longue période avec des voyageurs, donc c'est vraiment super de pouvoir à nouveau partager mon pays de cœur. Donc là, je suis parti avec trois personnes, avec Marie-Laure, Nathalie et Damien, que je salue au passage. On a vraiment vécu une expérience assez intense, comme chaque fois. Et ce qui est assez magique aussi avec les voyages que je propose, je pense que c'est pareil pour les gens qui font aussi ce genre de choses avec passion, c'est que chaque voyage est différent. Même si les étapes sont les mêmes, même si la route est la même, chaque fois c'est une redécouverte. Chaque fois c'est une nouvelle aventure. Donc le fait que les voyageurs soient différents, ben ça crée chaque fois un voyage unique, vu qu'on est ensemble, on forme un groupe. Chacun a vraiment une personnalité totalement différente. Donc là, je l'ai remarqué vraiment encore plus intensément. L'énergie du groupe fait aussi partie du voyage. Donc on va chez l'habitant, on découvre un peu les projets sur place. On avance, on évolue ensemble, on partage le quotidien dans la simplicité. Et chacun va vivre ce qu'il doit vivre. Donc ici, je vous fais une petite vidéo rapide. Enfin, je vais prendre le temps de partager quelques minutes avec vous avant de repartir au désert. Voilà, là j'enchaîne. Je viens à peine de rentrer du voyage et je retourne déjà demain matin. Je prends le bus Marrakech jusqu'à Mahamid. Toute la journée dans le bus pour retourner au désert, faire des repérages, et je ne serai pas tout seul. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Je vous dirai avec qui je serai. Donc peut-être que toi aussi tu as envie de sortir de ton quotidien, d'une nouvelle aventure, de retourner un peu plus vers la joie de vivre, la joie d'être qui tu es, de découvrir de nouvelles personnes, de faire des rencontres, découvrir une nouvelle culture. Tout ça, c'est ce que je propose avec les voyages Maroc en conscience. Alors c'est vrai que c'est très très intense. Là, les voyageurs, je l'ai bien vu à la fin du voyage, ils sont assez fatigués parce que c'est très intense. Chaque jour on bouge, chaque jour on fait des nouvelles découvertes, des nouvelles rencontres. On part plusieurs jours au désert aussi, ça c'est très puissant. Mais voilà, ça permet vraiment de vivre une grande aventure. Et après la fatigue, bah, ils réalisent qu'on a vécu une aventure exceptionnelle et que bah, ça n'a pas vraiment de prix. Donc si toi aussi tu as envie de rejoindre cette aventure, n'hésite pas à me contacter personnellement. Je réponds à tous les messages, je réponds à tous les commentaires. Donc franchement, n'aie pas peur. Donc là, ce que je propose, c'est vraiment le contraire, l'opposé du tourisme habituel au Maroc, du tourisme classique au Maroc. Déjà, on est des petits groupes de personnes, on est chaque fois maximum 5 personnes, 5-6, grand maximum. Parce que j'ai pas envie de faire des grands groupes, j'ai pas envie qu'on voyage dans des bus à touristes. J'ai vraiment envie qu'on garde une proximité entre moi et vous, les voyageurs, et aussi au sein des familles. Donc on va pas du tout dans les hôtels 5 étoiles, on va pas s'arrêter dans tous les lieux touristiques, je vais pas vous emmener dans des boutiques juste pour acheter des choses et gagner une commission là-dessus. Simplement, je vous partage mon quotidien, le quotidien que j'ai vécu au Maroc, je vous partage mes familles de cœur, les personnes qui m'ont touché, qui m'ont inspiré. Je vous permets aussi de vivre l'expérience du désert, l'ouverture du cœur, de revenir vers vous-même, qui vous êtes vraiment. Donc, comme je le répète souvent, dans la simplicité, j'ai pas envie non plus de faire des voyages comme on voit souvent
dans le développement personnel où il y a beaucoup d'activités, limite chaque minute est programmée. J'aime bien de laisser des temps libres. Même si ça passe vite, qu'on fait beaucoup de choses, j'aime bien aussi de vous laisser un espace à vous, ben pour être simplement et vivre ce que vous devez vivre en participant à ce genre de voyage. L'énergie du groupe, c'est aussi très important. Là, je l'ai vu quand on était dans un groupe avec, on était quatre en tout, donc quatre personnalités totalement différentes. Et comme il y a de la bienveillance, de l'ouverture et l'envie d'avancer ensemble, ça a vraiment créé des beaux échanges entre nous. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup échangé, et on a pu observer chacun comment il réagit, comment il évolue. Et je trouve ça génial. Moi qui suis un mec très très solitaire, très introverti, le fait de me retrouver dans un groupe, ça pourrait me faire peur. Mais en fait, chaque fois, ça se passe super bien, parce que voilà, j'ai mon caractère, j'ai ma personnalité. Et les autres aussi, et il se passe un truc à un moment, et en général ça se fait assez rapidement, où le groupe devient une entité à part entière, et chacun se comprend, chacun évolue. Bon, des fois il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais il y a vraiment une belle énergie du groupe. C'est ça que j'ai envie aussi que ça puisse se présenter pour chaque voyage. Donc là, les 10 jours qui viennent de passer, on a fait quelques méditations, on a fait des méditations en groupe, des méditations guidées. J'ai pu aussi expliquer à Damien ce que c'était la méditation. Donc moi, je lui ai partagé mon école, l'école de Fabrice Midal, sur la méditation de la pleine présence. Je lui ai un peu mieux expliqué qu'est-ce que c'est. Il avait beaucoup d'a priori et ne savait pas exactement ce que c'était, même si au fond de lui il avait déjà compris, mais il pensait que c'était peut-être plus compliqué ou plus perché. Mais voilà, donc j'ai pu lui réexpliquer ce que c'était la méditation de pleine présence, et on l'a pratiqué ensemble plusieurs fois. Et là, j'en profite justement, hier j'ai parlé avec mon ami Jordan de la chaîne YouTube Harmony Vibes. Et lui, il vient justement de sortir un nouveau programme gratuit pour intégrer la méditation dans ton quotidien, pour pouvoir réussir à méditer chaque jour. C'est un programme vraiment qui t'accompagne et te guide étape par étape. Donc si tu es un peu nouveau dans la méditation, que tu sais pas trop comment ça fonctionne, par quoi commencer, bah, je t'invite à découvrir la chaîne de Harmony Vibes et le programme de sa formation. Je te mets le lien du programme en description. Voilà, c'est un programme gratuit, je gagne rien, juste te partage l'information parce que ça pourra sûrement te servir et que c'est une pratique que j'aime beaucoup. Là, ce matin, je me suis levé très tôt. Je me suis levé tôt pour préparer le mail que j'ai envoyé à toi. Tu l'as peut-être reçu, à ma communauté. Donc j'ai créé une newsletter pour Maroc en conscience, journal d'un explorateur spirituel. Ça aussi, c'est dans la description de la vidéo. N'hésite pas à t'inscrire si tu souhaites qu'on reste en contact en dehors des réseaux sociaux. Donc j'ai pris le temps ce matin d'écrire un mail pour un petit peu parler de ce voyage et aussi d'annoncer les nouvelles dates. Donc ça, c'est l'info de cette vidéo. Je t'annonce vraiment les nouvelles dates des voyages. C'est la première fois que j'en parle. Donc, les voyages en conscience, ça c'est le voyage que je viens de t'expliquer. On part de Marrakech jusqu'au désert. On va chez l'habitant dans des petits projets et on passe 3 jours au désert, 2 jours et demi. Donc, les prochaines dates pour ce voyage en conscience, il reste une seule date pour cette année 2018. C'est du 5 au 11 novembre, et il y aura la nouvelle lune le 7. Donc ça, c'est début novembre si tu souhaites nous rejoindre. Ensuite, j'ai pensé que ce serait intéressant de proposer un voyage comme ça en début d'année. Donc je ne l'ai pas fait la toute première semaine de janvier, car souvent on est encore en mode famille et tout ça, et les billets d'avion sont encore très chers. Là, je propose une date du 7 au
13 janvier 2019. Et à ce moment-là, les billets d'avion sont beaucoup moins chers. Donc, pour bien commencer l'année, je t'en reparlerai, je referai une vidéo spéciale là-dessus. Et une troisième date, toujours pour les voyages en conscience, ce serait du 18 au 24 février, avec une pleine lune le 19 février. J'ai remarqué aussi que vous étiez très 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 attiré par le désert, et il y a quelques mois, j'avais proposé un voyage qui serait de rester en fait une semaine complète dans le désert. Donc une retraite spirituelle dans le désert, là aussi en mode simplicité, en mode nomade. On va marcher tous les jours. J'avais proposé une date en novembre, donc là le voyage il est complet. J'ai 7 participants. On va partir en fait. Le départ se fait de Ouarzazate, le retour à Ouarzazate aussi. Et on part une semaine complète, on reste au désert. Là, j'ai déjà eu des demandes, comme le voyage est complet, j'ai eu des demandes pour créer une nouvelle date. J'ai choisi une date qui, je pense, va être très intéressante pour vous et pour moi. Donc, cette retraite va se faire du 18 au 24 mars 2019. Alors, pourquoi elle est spéciale? Bah, déjà, moi, je suis né le 20 mars, donc je fêterai mon anniversaire avec vous au désert. J'aurai 36 ans. Voilà, ça passe super vite. Et ce qui est spécial aussi, c'est qu'il y a une pleine lune le 21. Le 21 mars, il y aura la pleine lune. On sera au milieu du désert. Ça va être magnifique, je pense. Et c'est pas tout. Parce qu'en fait, le 20 mars, c'est aussi le jour du printemps. Donc, nouvelle énergie, l'énergie du printemps qui arrive. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir faire des rituels, de pouvoir faire des méditations spéciales toute la semaine, et en particulier le 20 et le 21. Donc voilà, n'hésite pas à m'écrire aussi pour ce voyage. Et une dernière date, c'est la marche de la joie, là aussi une semaine au désert, du 3 au 10 février, avec Mathilde Emeraude. Ça, je t'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et en fait, bah, c'est Mathilde qui va m'accompagner au désert demain. Là, elle arrive à Marrakech ce soir. Quand tu verras la vidéo, elle sera déjà arrivée. Donc là, je vais partir quelques jours avec Mathilde de la chaîne YouTube Emeraude. On va partir ensemble au désert, faire des repérages. On va aussi vraiment préparer plus en détail le voyage de début février. Je vais lui présenter le guide avec qui je travaille, notre équipe sur place. Et on va aussi aller visiter quelques bivouacs. Moi, je vais aussi partir à Chigaga. Chigaga, c'est les grandes dunes au Maroc. Donc ça, c'est assez cool. Donc là, dès que je termine la vidéo, je vais vraiment mettre mon énergie pour faire le montage rapidement. Je descends à Marrakech. Je vais charger la vidéo sur YouTube pour que tu puisses la voir maintenant, donc ce samedi matin, si tout s'est bien passé. Et aller chercher Mathilde aussi à l'aéroport. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé aussi là depuis mon retour de voyage? Hier, je suis resté à Marrakech toute la journée. J'ai été voir mon comptable. Donc là, vraiment, on termine la création de la société Marocco Conscience. Enfin, je vous l'ai dit, elle est déjà créée. Il me manquait un papier pour ouvrir le compte en banque. Donc là, j'ai récupéré tous les papiers. J'ai été les faire à nouveau légaliser pour la banque. Et dès que je reviens du désert, ben, je vais faire cette étape supplémentaire d'avoir le compte en banque de la société. Et après, je me lancerai dans d'autres démarches qui seront d'avoir la carte de séjour pour pouvoir rester au Maroc officiellement et être résident marocain. N'hésite pas, donc ici je vais retrouver Mathilde, on va partir au désert plusieurs jours. N'hésite pas à nous suivre sur Instagram. Donc ça, c'est ce qui s'est passé durant le voyage précédent. Les 10 jours de voyage, j'ai partagé des petits moments, enfin des moments spéciaux et un peu des trucs ce qui se passait d'intéressant. Je vous ai partagé ça sur Instagram dans les petites vidéos des stories. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Instagram Maroc en conscience, à vous abonner et à suivre les vidéos. On va en faire quelques-unes avec Mathilde.
Et je pense qu'on va aussi faire un live Facebook, mais ça, je vous en reparlerai. En tout cas, je l'annoncerai via Facebook et via la mailing list. Bref, c'est beaucoup d'informations d'un coup. Ça me manque. Ça me manque de faire des vidéos, ça me manque de partager avec vous. Je pense là que je vais prendre ma caméra au désert pour faire quelques vidéos avec vous, pour faire une interview avec Mathilde aussi. Et faire aussi des vidéos à thème. Parce que là, je vous parle beaucoup de ce qui se passe, des voyages, des nouvelles dates. Mais j'aime bien aussi vous faire des vidéos à thème. Voilà, c'est vraiment un échange où vous suivez mon quotidien, vous suivez mon activité, le lancement de ma société, les voyages. Voilà, tout ça, c'est résumé sur le site marocenconscience.com. Tu peux retrouver les nouvelles dates que je viens de te citer. Tu peux me contacter via ce site pour réserver ta place ou pour me poser des questions ou ce que tu veux. Voilà, on se retrouvera, je pense, d'ici une semaine pour d'autres vidéos. Le temps que je revienne du désert, que j'intègre aussi tout ce qui s'est passé. Voilà. À très vite. Prends soin de toi. Partage l'amour autour de toi parce que c'est de ça dont on a besoin, dont l'humanité a besoin. Peace.